Bonjour à tous, on va réaliser aujourd'hui un gâteau typique des pays anglo-saxons, le fameux gâteau aux carottes. On va faire une version sans farine, sans beurre, un gâteau moelleux et délicieux. Suivez les étapes de la recette en vidéo pour le réaliser. Commencez par fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre pour avoir un mélange plus clair. Ajoutez le jus de citron, les carottes râpées, la poudre d'amande, les fécules de maïs, puis la levure chimique avec la cannelle. On va mélanger tout ça, puis on va monter les blancs en neige avec une pincée de sel qu'on va venir incorporer par la suite à notre préparation à base de carottes. On essaie toujours de faire cette opération délicatement pour ne pas casser les blancs. Et on va verser ce mélange dans le moule beurré et fariné ou habillé de papier sulfurisé. Vous enfournez à four préchauffé à 180 degrés et vous laissez cuire pendant 50 minutes. Après les 50 minutes, vous laissez bien refroidir votre gâteau. On peut le déguster tel quel, nature, il est bien moelleux, il est parfait. Sinon, on peut aussi préparer un glaçage si on veut couvrir le gâteau. Notre glaçage sera fait de mascarpone, crème liquide, sucre glace et zeste de citron. On va bien fouetter tout ça pour avoir un glaçage crémeux et léger. Je découpe le gâteau en 3 disques. Et pour le montage, je vais alterner les couches de gâteau et de crème. Et à la fin, je vais couvrir tout le gâteau. J'ai coloré un petit peu de crème avec du colorant alimentaire et je viens faire des petites carottes au-dessus du gâteau pour décorer et rappeler le thème. Et voilà notre gâteau qui est prêt. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle recette.